grosses lunettes. Hein. Pff, il est pas shiny de toute façon. De toute façon, il est pas shiny, donc je sais même pas pourquoi je... Je sais même pas pourquoi je tourne dans sa famille à la con. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on perd notre temps? Bah, ils étaient aux États-Unis pour le truc de The Division, là, non? Il n'y a pas une soirée presse gigantesque, un press tour The Division. Souvent, Julien, quand il y a des press tours, comme ça, ce soit au Japon ou aux États-Unis, ce qu'il fait, c'est qu'il se met bien, il prend une petite semaine, il fait les deux jours de press tour pour le truc où ils se font tous arroser en cœur. Et toute la semaine après, il profite, il fait ses vacances. Il fait la même chose au Japon, hein. C'est l'imbloquable à chaque fois. Chaque fois qu'il y a un press tour au Japon pour aller tester un jeu Kojima ou un truc comme ça. Petite semaine au Japon, au calme. Alors que les équipes de jeuxvideo.com, on les envoie là-bas, ils testent le jeu, ils reviennent tout de suite après, tu vois. Décalage d'horaire direct, blablabla, même pas le temps de s'adapter, que dalle. Ils arrivent, ils sont morts en poule, ils sont 48 heures d'avion dans les trousses. Tu retrouves un Ya qui dort sur sa chaise et un Anagoon qui sait plus où est le nord du sud. Et un Panta qui est en train de tester sa réalité virtuelle. Panta, il met son casque virtuel pour pas voir qui dort en fait au taf. C'est pour ça qu'il est l'expert. Julien C, lui, il se met bien, mon gars. Ça, c'est la vérité. Putain, y'a pas trop de shiny hein, quand même. Oh, we special. On verra ce que The Division... On verra la note de The Division, du coup. On verra si c'est le meilleur jeu de l'histoire. On verra si c'est un indispensable game blog. Où finalement il aura son 5 sur 10 game cult, même pas Select de base. On verra. On verra. S'il est pas shiny, bordel de chien. Putain, trop cool. Regardez, Julien, il a posté une photo. Let's go, Nyx, it's game time. Mais c'était pas terminé. Let's go, les Nyx. Putain, mais ces lunettes de Julien, c'est tellement trop stylé. Est-ce que NBA 2K sera un indispensable game blog? Prenez ça, les nerds, mon gars. Oh, il a pris un petit coup de froid, quand même, Julien. Je sens, hein. Je sens qu'il fait froid, regarde sur les... On voit un peu là les... Les petites fossettes... C'est rouge hein, quand même. Eh ouais mon gars, c'est lui qui a la go. Les Knicks, quelle équipe de chiasse. En même temps, les équipes new-yorkaises... C'est comme les Yankees hein. Yankee, ça a jamais rien gagné. J'ai limite envie de retweeter Julien Chiez. Ils sont tellement magnifiques tous les deux.
Voilà à quoi sert le Premium Game Blog. Les Yankees, c'est l'équipe la plus riche des États-Unis. Hein. Parce qu'en fait, ils font tout leur pognon sur les ventes de produits dérivés. Bulle. Non mais vous connaissez vraiment le nom des équipes de américaines de trucs? Mais foutez-moi la paix, cassez-vous. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à du sport national d'une autre nation que la vôtre? Les mecs se mélangent même pas, ils font leur championnat tout seuls. Ah, t'es au Canada, d'accord. Ah oui, si t'es au Canada, c'est... Ah, j'ai rien dit, alors. Ah non, j'ai rien dit, le Canada, c'est... C'est l'Amérique. Dixit, le suceur de Jap. Ah ouais, vous les connaissez, les équipes japonaises de baseball? C'est un sport très populaire, là-bas. Vous les connaissez pas, hein? Moi non plus. L'amour, l'Imagma Shiny, ouais. Ah bah ce sera Wii Special, hein, toute sa live. En plus il a la même couleur que mes lunettes. Putain, je vais pouvoir capturer ce Shiny Wii Special. C'est parti. Oh putain, et il faudrait, ah bah c'est la Lux Ball direct. Il y a même pas de main game. Lux Ball cash, Wii Special, la Lux Ball, mon gars. Lux Ball direct. Rentre dedans, ouais, média. Ouais. 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 Gagné. Les Magma Shiny. Ghetto Dazé. Oui, Spation, mon gars. Ça, c'est la vraie vie. Eh ben voilà, on va pouvoir se quitter là-dessus. On va pouvoir se quitter, Wii Special. Putain, la passion qui nous anime est tellement forte. Tu vas rentrer, Wii Special? Tu vas pas me faire ça? Ah, Wii Special, rentre. Je peux même mettre un espace. Ah, c'est merveilleux. Ah bah, c'est une femelle. Ça sera une femelle Wii Special. Putain. Très bon stream, on sauvegarde, hein. On n'est pas fou non plus. Et ben voilà, l'Imagma s'est attrapé. Et bien vous avez bien fait de rester réveillé jusqu'à 1h17 du matin. Et on va bientôt pouvoir aller se coucher. On va juste voir ce que Wii Special vaut quand même. Alors Wii Special, un petit résumé de Wii Special. Donc Wii Special, à corps ardent, je peux faire mes œufs avec. Très très bien, corps ardent, on peut faire ses œufs avec, c'est pas mal. Il est hardi, je vous avais dit de pas dire hardi. Et il aime se démener. Faut vraiment qu'il aime beaucoup son taf pour aimer se démener. Hardy, Wii Special. Parfait. Ah, il a pouvoir antique, rebondi feu. Pff, il est goldé. Il est complètement goldé. Dommage qu'il puisse pas voler. Un petit corps ardent. C'est parfait. Ça passe nickel. Et ben voilà. On va pouvoir se quitter là-dessus du coup.
Je vais enfin pouvoir sortir de ce safari et faire autre chose de ma life. C'est quand même incroyable. Allez, on va ranger. Ah, on va voir ce que la passion a comme IV. Oh, parce qu'il faut faire les choses jusqu'au bout. C'est ça, il se démène, il est corpo. Whispation est très corpo. T'as quoi comme IV, Whispation? Whispation, voyons voir. Ah, potentiel supérieur à la moyenne quand même. Il est sans appel. Attaque, défense. Attaque, défense. Attaque, défense. Et tout pourri. C'est un peu pourri. C'est un peu pourri quand même. Joyeux anniversaire, Squeezie. Louise Passion. Non, pas Louise Passion. N'importe quoi. Alors. Quoi, Toro? On va ranger, puis voilà, on va se quitter là-dessus. Alors, regardez tous mes les shiny 2G. Je ne vois rien avec ces lunettes, en fait. Je ne vois rien du tout. C'est pas pratique as fuck. Voilà, 2G là, 2G ici. Voilà. Je range mes 2G. Voilà, mes 2G sont rangés. Parfait. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est beau, quand même. Incroyable. Phénoménal. Ah, cette 2G qui progresse à vitesse grand V. C'est fou. C'est complètement fou. Sauvegardons tout ça. C'est merveilleux. On l'a eu. Gros stream en tout cas. Très très gros stream. Et on va se quitter, bons amis. Du coup, merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Dilly Pachani. Pas d'épisode vendredi, du coup, Dilly Pachani. Donc, je ne vous trahirai pas, finalement. Moi, avec Mizu, donc, on est invité par Capcom pour aller tester Street Fighter V au Japon. Donc, on va prendre une petite semaine de vacances là-bas afin de faire le tour de Japon et visiter. Et ensuite, je vous dirai tout le bien que je pense de Street Fighter V et de Capcom, qui est une grande entreprise, bien entendu. Je vais donc préparer mes affaires, m'en aller. Et n'oubliez pas, bien entendu, de follow et de sub à la chaîne Ken Bogard. Tout ceci permettra à la fois eh bien, de financer le MMC Ken Mobile, mais aussi de me payer encore plus de voyages pour la passion de la boîte et du stream. Merci beaucoup en tout cas pour tout votre soutien. Depuis que j'ai retrouvé ma passion pour le gaming et grâce à Webedia, je suis un homme nouveau. Un homme nouveau qui va s'offrir et s'ouvrir pardon, à de multiples opportunités. Des opportunités qui rapporteront énormément d'oseille. Merci beaucoup. Webedia, gaming, Whispation et évidemment les shiny Whispation. Je vous donne rendez-vous demain pour ma passante en pif. On parlera pendant une heure et demie du prochain costume alternatif de Scorpion dans Mortal Kombat XL. Bisous à tous et bonne nuit!